Et nous sommes repartis pour plus de War Tales. On va continuer notre petite aventure. On n'a toujours pas vraiment commencé l'histoire. Donc on essaye de faire l'histoire du coup. Par contre là on a vu qu'il y avait un campement. C'est ceux qui chassent les... Vous savez la meute fantôme et tout ça. Donc on va essayer d'aller les voir. S'ils vendent des choses intéressantes. Et après on va... potentiellement assassiner ou alors on va directement faire l'histoire. On va voir. La dernière fois on a failli perdre un membre de notre équipe. C'était assez violent. Alors comment on va là? On pourrait aller déjà voir ça. Alors, l'île au Teul. Alors pêcher. Donc c'est juste une zone de pêche en fait. Ah, il y a qu'un seul poisson, ça doit être une grosse prise, je pense. Comme on a eu une fois. Ouais, c'est une grosse prise. C'est assez intéressant qu'ils aient changé ça. Enfin, ils l'ont pas changé, ils ont fait une nouvelle chose. On a eu 8 filets de requins. Oh, putain. C'est pas mal. Attends, comment on passe là? Voilà, doucement. Oh la vache. Pas accosté ici. Oh, il y a des lézards. Où est-ce que tu veux que j'aille? Ah, là on pourrait. On va essayer de faire le tour de l'île. Quelque chose qui flotte au nord. Genre nord du bateau ou nord... Tes indications sont cheloues. Ouais, je pensais que c'est... Je pense que c'est au nord du bateau, en fait. C'est pas le... Ok, ça marche. On aurait pu s'arrêter là, du coup, je crois. Il nous faut une barque. Il nous faut une barque pour pouvoir se mettre... Des lézards. On peut les combattre, hein, ça nous ferait des écailles. Ah, ça y est, trouvé. Oh, ça c'est la rouste. Alors la rouste, on va pas le faire maintenant, parce que la rouste, à chaque fois, c'est un peu buggé. Donc ça sera pour plus tard. Quelque chose qui flotte à l'est. Ouais, on verra ça plus tard. C'est quoi ça? Ah, c'est notre cible. On va aller voir. On va aller voir, mais on va pas faire le match. Ah, il y a un forgeron. I've made my own weight in spears since I started this morning. Maybe you could give me a hand. Tu veux deux lances en fer? Alors, des lances en fer. C'est beaucoup de ressources. I've made my own weight in spears since not bad mercenaries. That should be enough to finish off the survivors. The referee will love it. Quoi? Attends, je viens de faire des armes pour tuer des gens? Ouais, bah après c'est des armes, hein, tu vas me dire. La marmite dégage une lourde vapeur de graisse et d'huile. Attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les mecs? What you see here, mercenaries, is a people preparing its revenge. To hell with the deers and their guard who never deigned to come out here. So we're defending ourselves instead. The pirates think we're weak, but they don't know we have a plan. If you're willing to help us, we can pay you. But we've got to be quick. The whole trap relies on the element of surprise. D'accord.
Let me rest a bit. Preparing this trap has worn me right out. I don't know how I'm going to be in any state to fight after all this. I learned this recipe from my grandmother. Back in her day, it was the only way to get goods from Gosenberg. Take anything you've got that's flammable and throw it into the pot. We need the fire to take hold even in the rain. Okay. On va d'abord parler à lui. I'll gather what we need to build the fire and keep it going. If we want it to be visible from the sea, we'd better not skimp on the wood. I've got a few logs left to split. I wouldn't say no to a bit of help. Ça marche. De la graisse. Smells like the pillager's oil is ready to go. I'll tell the referee. Ah, mais ils vont faire un match contre les pirates en fait, je pense. Est-ce que j'ai des gens? Oui, toi, tu peux augmenter en niveau, ça serait bien. Si elle pourrait être maître, ça serait vraiment bien. Bizarre ce qui se passe ici. Putain, t'es toujours pas niveau quoi. You're a skilled bunch, mercenaries. I'll let the referee know we're all done here. I'm eager to see how this Balerian tradition works. Everything is ready. You've done good work, mercenaries. You've more than earned your reward. Wow, 50 pièces. If you want another one, meet us at nightfall on the beach on the south side of the island. Don't forget your weapons and bring a good torch. La plage au sud de l'île. Pendant la I'll nuit. Send a few men to announce a fake roost tournament. The pirates won't be able to resist an easy target. Ok. Faut aller les aider du coup. Au sud. Genre là-bas peut-être. Bon bah du coup on s'est embarqué dans je sais pas trop quoi. On sait bien on récupère de la résine. On va aller voir eux. Yes. Camp de tracker. On va d'abord couper du bois. Donc ils veulent vraiment combattre des pirates. Pardon. Très bien. The pirates dare attack us. As soon as we leave the camp unmonitored, they come to pillage whatever they can. Even in Edoran, we're not treated this badly. We should go back home and let the archipelago handle the ghost pack on their own. Eh ben. The animals here are amazing. Have you ever been saurian hunting? They've almost got the same scales as a croc swine. On l'a fait, on a vu ça, on en a même un. On a un dragon avec nous. Alors, on fait voir ça. C'est quoi? Forger broche de Essura. Bon, ça va, on a plein de dents normalement. Ouais, on a 2000, ça va. Broche de la sirène. Semelle ferrée. Manivelle d'artilleur. Après le reste, on n'a pas besoin. Putain, ça tue. You're free to join the hunt, mercenaries. But I hope for your sake you've got some experience. On en a. On a même vu la créature que vous vénérez, là. La créature fantôme qui faisait genre 3 étages. C'était super. The ghost pack can cross any body of water. The sounds between the islands are no wider than a stream to them. It's easy to lose the trail.
Oh, on va devoir les chercher dans l'eau, enfin suivre leurs traces. Even so, our scouts have collected a few bits of information. I hope they're of use to you. Good luck, mercenaries. May the tools protect you. Ok, merci. Alors, compte rendu décrit un corps déchiqueté au nord de Père Bast. Si c'est l'œuvre de la mode fantôme, il faudra attendre la nuit avant de poursuivre. Ça marche. Toi, c'est pour les. We meet at last. All of the druids are talking about you. Foreign mercenaries, initiated in our rituals. Where do you want your war paint? On est bon, normalement tout le monde a des. Ouais, tout le monde a des peintures. Ça, c'est les deux derniers qui sont arrivés. Ouais, tout le monde a des peintures de guerre. Il y a les affranchis. Eux, ils ont un crâne en blanc. Tous les affranchis, ils ont un crâne en blanc. Il y a Ghost aussi, j'ai voulu faire un crâne en blanc parce que ça s'appelle Ghost, genre Call of Duty. Mais il est un peu à part, lui, parce qu'il n'est pas vraiment très bonne relation avec les gens. Eux, peut-être, à la limite, on pourrait leur mettre des peintures, mais bon, c'est des prisonniers, quoi. Pas vraiment important. Alors, fais voir ce qu'on a eu. Alors, ça. La broche de Esura. C'est où? Ça. La figure souriante de Dieu Esura redonne force et espoir. Force plus 10, armure moins 9. Quoi? Ah, mais c'est des renforts spéciaux. D'accord, c'est des renforts en fait qui vous donnent des bonus mais enlèvent des choses. Force plus 10. Force plus 10, c'est beaucoup. Broche de la sirène. Dex. Plus 10. Plus 9 d'armure. Enfin, moins 9 plutôt. C'est... Ça fait un peu mal. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu difficile de juger. Parce que là, on a Dex 4, Critique 6. Genre, mettre un Dex 10, mais on perd les critiques. Je sais pas. Dents de requin. C'est vachement intéressant. C'est bête parce que j'ai des renforts que je crois que j'aurai jamais. Parce qu'ils ont été rajoutés plus tard et j'avais déjà avancé dans l'histoire, ça c'est bête. Les personnes qui vendent les renforts, je crois qu'ils sont plus là. Non, enfin bref, c'est pas grave. Semelle ferrée. C'est où? Cette unité peut réaliser deux fois l'action piétinée dans le même tour. Ah, d'accord. Donc non, là on a le relevé. Donc ça c'est pour sauver une personne. Et ça c'est pour faire tomber une personne. Intéressant. Il y a ça aussi qui devient intéressant aussi. Cette unité est dans la zone d'effet d'un abordage. L'unité qui aborde subit 10% de dégâts lorsqu'elle atterrit et l'effet de l'abordage est annulé. Ça c'est techniquement c'est pas mal de l'avoir un peu genre à quelques personnes dans notre équipe. Parce que l'abordage va toucher plusieurs personnes, mais s'il n'y a qu'une personne qui a eu équipé de ça, du coup, bah, ça va tout annuler, je pense. C'est intéressant. On pourrait en mettre quelques-uns par-ci par-là. Et après, on a ça. Merde, j'ai pas lu le nom, c'était quoi? Manivelle d'artilleur. Cette manivelle permet de tendre les cordes d'une baliste en un tour de main. Ah, ok. Charger et actionner une baliste dans le même tour. Ouh, quand on aura une baliste, ça risque d'être vachement intéressant par contre ça. Ouais, ça risque d'être vachement intéressant. Ah tiens, on a ça maintenant. Navire gagne un nœud supplémentaire, l'effet du vent est positif. Navire gagne un nœud supplémentaire quand l'effet du vent est neutre. On a la coque arrondie améliorée. On a un point...
Cramer, compense des nœuds. Non, on va garder le reste. Vachement intéressant tout ça. Alors eux ils veulent aller au sud. Ouh, c'est quoi ça? Arbre sacré. Ah d'accord, c'est sûrement pour les peintures. On en a trouvé un d'arbre sacré. Un hôtel dédié au Teul. Donner de l'hydromel. Faire une offrande au dieu de la forêt. Merci. Le buisson qui parle. I should have kept my mouth shut, huh? I thought getting a response might make you toss in a second bottle. It's wrong to trick the faithful, I know, but with all the things people leave lying under this tree, it's so tempting and I'm so hungry. De l'hydromel, de l'iris. Convaincre le voleur de se racheter. You're absolutely right. I'll try to make it up to the residents and the little folk. Take these offerings as a sign of my good faith. Thanks for not killing me or turning me in. I promise you'll never hear from me again. Ok. Je me demande... J'aurais bien voulu faire attaquer pour voir s'il avait... Enfin, qu'est-ce que ça allait donner, mais bon. Honnêtement, je pensais qu'il allait nous rejoindre. Attends, je veux bien d'abord faire eux là. Alors, ils veulent des torches. Ah mais faut qu'on attende. This trap can only work at night. We'll need to be patient. Ça marche. Du coup, on fait quoi? On combat les créatures ou pas? Attends, si on peut les faire venir. Yes. Ah, c'est des niveaux 14. Ok. On va essayer d'en capturer des dragons. Parce que là, c'est des niveaux 14, du coup, c'est plus haut. Nous, on a un 13. Le mieux, ce serait un 15, mais je pense pas que ça va être facile à trouver, en fait. Ok, très bien. Alors, on n'a pas trop de. De bravoure. On a beaucoup. Il y a elle qu'on peut, on peut vraiment commencer par ça, genre. Parfait. J'ai bien envie de faire ça, mais je crois que ça va être un peu inutile en fait. Oh merde.
ça va. On peut peut-être capturer les petits, voir si ça donne exactement la même chose. Honnêtement, je pense que c'est exactement les mêmes stats. Hein. C'est juste que bah ils consomment moins de nourriture. Mais bon, à la limite, on s'en fout en fait qu'ils consomment plus ou moins. Parce que nous, on a... Nous, on... Enfin, on peut les mettre à 0. Enfin, non, à 1, pardon. À 1. Je peux toucher les 4 hein. Bon, je peux en toucher 3 du coup. J'aurais pas dû faire ça. Tu vas prendre cher. Ah quoi que non, tu vas pas t'engager. Non, tu t'es pas engagé avec avec elle. T'as de la chance. Là, on va faire ça. Je sais que c'est deux dragons, mais... On en a encore un, deux, trois, quatre, cinq. Donc ça devrait aller. On aurait pu se mettre là, en plein milieu. C'est trop tard maintenant. Tu vas pas passer, c'est con hein. Ah merde. Là, vous faites chier. Ouais, vous êtes un peu chelou, hein, quand même. La façon dont vous sélectionnez les cibles, en fait. J'ai bien envie d'aller en arrière, mais j'ai un peu peur que... Ah, ça devrait aller. C'est un peu embêtant parce que j'étais en mêlée, du coup ça a compté comme si je le tapais au corps à corps. Très bien. On va se mettre là. On y va un peu... violent hein, parce que évidemment où est-ce que tu vas mec. Ah, mais à chaque fois, vous agrippez la mauvaise personne tout le temps, c'est ouf quand même. Oh la vache. Ouais, ils peuvent être dangereux quand même, c'est con.
Là par contre, il n'y a pas de renfort. T'es pas à 100% de critique. Étrange. Donc toi t'es à moins de 50% de vie, donc ça va. Attends, on va faire ça. Lui, on peut le capturer, techniquement. Parfait. Yes, nickel. Parfait. Bon, il reste plus grand monde, ça va. Très bien. Une sorte de mur. Tiens, j'aurais pu faire ça en fait. Mais j'étais bête. Ah, c'est pas grave. Parce que toi tu prends cher. Ils sont loin, c'est le problème qu'on a en fait. Va falloir que je refasse des fossiles peut-être. Le gros risque des trucs, c'est que si jamais vous le tapez en premier et que vous le tuez pas, en fait vous allez être engagé avec, donc vous êtes bloqué. Non, on va les tuer. Donc du coup, vous êtes bloqué en fait avec. Mais quand vous le tapez, vous allez saigner. Et quand vous saignez, ils vont faire des altérations d'état sur vous. Aléatoire. C'est là que bah, vous prenez un peu trop cher en fait. Donc ça peut être dangereux. Je crois que je vais le tuer, lui. Celui me fait un peu peur. Qui peut... Bon, on en a capturé qu'un seul. Nickel, 46 écailles. On a vraiment bien fait de remettre le livre là. Je sais plus à qui je l'ai mis, mais voilà, ouais, on a vraiment bien fait. Si on récupère encore plus d'écailles, ça va super vite. On doit en avoir presque une centaine, non? 77.
Alors, je vais voir la différence. Genre constitution 131 de base. 124 de base. Et on lui a mis des points. Vous voyez, c'est vachement important en fait de mettre... De prendre des animaux en fait de haut niveau. Faut pas les augmenter, ça sert à rien de les augmenter. Parce qu'ils ont... Ils ont vraiment des stats qui sont complètement décuplés en fait. Lui il a rien de spécial. À la limite on pourrait faire ça parce que c'est vrai que réduire la nourriture c'est pas très intéressant au final. Mais ouais, c'est pour ça que à chaque fois je dis prenez des animaux de haut niveau, ne les faisiez pas monter, même s'ils ont des traits intéressants et tout ça, ne les faites pas monter, ça sert à rien de les garder longtemps. Le mieux c'est de les monter, pardon, le mieux c'est de les récupérer, de les attraper monter en fait. J'ai pas de... On va mettre ça pour le moment. Ouais, ouais, ouais. C'est une très bonne chose de les trouver au niveau. C'est comme les ours. Les ours, ils ont des stats décuplés, en fait, quand ils sont au niveau. We are ready, mercenaries. Ready to put an end to this. With this plan, we have a chance to finally rid this island of pirates. We must seize our moment. See those fires you helped build? They're going to draw the pirates right into the reefs. In the dark, those idiots will mistake them for the lanterns on the roost field. D'accord. And their ship will run aground. Then, just as they're struggling to keep their heads above water, we'll finish them off. You're here just in case there are any survivors lively enough to fight back. Ça marche. Waouh, ils se sont crashés pour de vrai en plus, ces idiots. Incroyable. Les mecs, ils se sont crashés direct. Oh la vache. Alors. Ils sont 25, on est 41, quoi. Donc ça c'est fougue. Putain, vous êtes méga mal équipés comme d'habitude les mecs. Toi tu vas fuir toi. Bon, après c'est des civils hein, j'ai envie de te dire. D'accord, c'est comme ça. Là il faut qu'on mette des gens qui peuvent tuer des groupes. Léa, elle est très bonne pour ça. Si Léa est Ménette, honnêtement, il devrait défoncer ce groupe. Il y en a beaucoup là. 3, 4, 5, 6, 7. Mettre un ours juste au cas où. Après c'est où qu'ils sont isolés? C'est où? Il n'y a que cet endroit vraiment qui est isolé. Après il y a ça aussi. Ok. Comme ça peut-être. Ça marche. C'est un peu chelou hein. Ok, ça devrait le faire.
Allez, go. J'ai pas regardé où était Laura. J'ai pas vraiment regardé où était Laura. Bon, après, c'est que des archers. Très bien. Ça va faire mal. Faut qu'on fasse attention à notre bravoure parce que... J'aime bien le fait parce que elle, quand elle détruit l'armure, je crois qu'elle a un boost de dégâts. Les attaques ignorent 100% de la garde ennemie. Dégâts infligés à l'armure augmentent. Et si une attaque de cette unité détruit l'armure, elle gagne brutalité et inspiration. Donc c'est assez violent. Oh, le bruit que ça fait, cette masse. Ok, là il nous faut des AO aussi. Pierre. Pas mal. Pourquoi pas? Très bien. Qu'est-ce qu'il est bien cet arc? De faire du critique à 100% là. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je l'utilise ça. Et après, ils ont sorti le sociopathe. Et j'en ai fait une machine de guerre, le machin. Bon, lui, il a pas de contre par contre, donc ça, c'est un peu bête. Ok, on va faire des AO ici. Qu'est-ce qu'on a comme AO? Ah oui. Ah, ça va faire mal là. Je préfère d'abord aller faire l'archer parce qu'il est loin, ça va être relou. Défense. Non, continue. Toi, fuis. Ça pour éviter qu'ils prennent trop cher. Je l'aime bien le truc. Tiens, on va en profiter. Ouf. Pas mal.
Merde, j'aurais dû regarder qui jouait, j'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Ok, amorphe, donc on peut faire ça. Du coup, je peux faire ça. Très bien. C'est marrant, les combats sur la plage, comme ça, c'est sympa. C'est bien large et tout, donc bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attends, si elle fait un crit, elle va le défoncer, non ? Ouais, ok, on va pas le faire. Tiens, ce que j'en fais de ta garde. Je voulais taper l'animal pour augmenter son... ses dégâts, mais bon. Parfait. Bon, il reste plus grand monde. Il reste plus grand monde. Oh yes! Ah oui, je t'ai mis vulnérabilité. Là, ça va faire mal. Pour ça, Urbert, elle est vachement bien pour ça. Avec l'autre arc, peut-être qu'en théorie, on peut être plus efficace. Ouais, les arcs des pirates là qui repoussent, ça peut être intéressant. Mais ouais, faudra voir. Je préfère honnêtement garder les arcs debout. Hein, parce qu'ils m'ont aidé dans plein de situations. A ma connaissance, je crois qu'il n'y a que les fantômes qui sont immunisés à la boue. Très bien. De dégâts, ouais, mais si tu fais un critique, tu vas le tuer. Ça, c'est un peu bête. On a des animaux qui sont assez faibles en HP, donc il peut les one-shot. Ils peuvent se faire one-shot. Oh, on a un arc. Ah. Ouais, celui-là, c'est les AOE avec fougue. Ouais, intéressant. Là, on a ça, la protection. Et on a quoi d'autre? Ah, on a le gris-gris du pirate. J'ai vraiment pas l'impression que ça fonctionne, je suis pas complètement certain, encore une fois. Très bien, c'est super bien passé. We did it! Tool Island is free of pirates! Thank you, mercenaries. I don't know if you helped us out of concern, pity, or greed. But who cares? The result is the same. We are very grateful. J'avoue que leur plan était bien au final, même si c'est un peu fou, mais... Take your reward. It's my pleasure to give it to you. And if you ever feel like a nice relaxing match or two, come back anytime. We'll be thrilled to meet you on the pitch. Elle est fatiguée, elle. Parfait. Bon, bah, du coup, on a débloqué le match, j'imagine. C'est quoi, ça? Non, c'est rien. Du coup, on a débloqué le match. Oh là 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 là. Très bien, les... Quoique, est-ce qu'on en a besoin? Si on y arrive. Non, restez dans la forêt. Oh merde.
Ah, je les ai pas eu en embuscade. Ça, c'est parce qu'ils étaient dehors, ils se sont retournés au moment. Enfin, c'est bête. Du coup, il y a quoi? Il y a deux groupes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux groupes de 10. C'est ça, deux groupes de 10. Ouais, ça, c'est embêtant, ça. Ça peut être dangereux. Elle est où, Siléa? Un truc un peu plus solide là. Ok, ça marche. Ah merde! D'accord. Il y a un rocher là, je savais pas. Ok, c'est un tout petit peu dangereux. Pas qu'il nous touche en fait. Alors une graine. Ouais, on va faire ça. Très bien. Pas mal. L'ours. Je peux lui faire très mal. Après, il faudrait que je me recule. Très bien. Ok, t'es en attaque, très bien. Parfait. Clic fragilité, dégâts sont augmentés au montant égal, on peut se mettre en défense. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je vais être honnête avec la grosse AO d'Ingran, là, ça s'est bien passé. C'est pour ça que elle, je la garde en tant qu'AO. Alors que on a notre autre archer. Bon, on a le sociopathe, là, c'est plutôt... C'est du single, c'est du solo. Mais il y a... Il y a l'autre aussi, le dompteur, là. Lui c'est du solo, aussi. Donc ils ont chacun leur boulot en fait, en tant qu'archer. Donc ça j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup en fait. Très bien. Tiens, je peux m'engager avec l'ours. Il a fait amorce. Très bien. Je
Elle est tellement triste, cette musique là. Pas mal. Les mecs, qu'est-ce qui vous arrive là? Genre, vous voulez plus faire de critiques? Comment ça se passe? La grève des critiques? Erreur x 1. Très bien. Faute 5. Hein. Au bout de 5 appellations, il arrive, fuit le combat. Ouais, Ingrain est devenue vraiment intéressante maintenant, avec le nombre d'ennemis en fait qu'on combat, qui est extrêmement élevé. Comment tu récupères des points, toi? Chaque fois que cette unité s'engage, ça marche. Eux, ils vont mourir des flèches de Ingrain, donc à la limite, on n'a pas vraiment besoin de s'en occuper. Encore une fois. Attends, j'ai autre chose. S'occuper d'eux. Encore une fois, si vous avez des problèmes avec la meute, parce que si on est en extrême, alors ça m'est jamais arrivé, hein, mais je crois bien que si on est en extrême et que les gens fuient, on les perd. Très bien. On les perd automatiquement en fait, il n'y a pas de récupérer les gens s'ils fuient en fait. Donc... Très bien. Donc du coup, en théorie, s'ils sont terreurs, vous allez perdre aussi vos gens. Je crois que quelqu'un m'avait dit que ça leur est arrivé. Oui, s'ils ont trop de terreur, oui. Ils ont perdu complètement la personne. Vous pouvez pas la récupérer après le combat, en fait. On va lui mettre un peu de saignement. Ah, mais oui, mais je vais être engagé. Oui. Passer. Oh, c'est la galère. Pas mal. C'est bon, il est mort. C'est bien ce multi-hit là. Parfait, bien joué. 4. Parfait. Ah, ça fait plaisir ça.
C'est bien parce que depuis extrême, moi j'ai beaucoup plus de d'ours à combattre. Encore une fois, donc on va pouvoir faire nos renforts en fait plus facilement. On va aller faire ça, je crois que ça va être la fin de notre épisode. On va peut-être dépasser l'heure. Ça on verra. Loaning le bouton. Marsouin. C'est pas eux qu'on veut attraper. Je me rappelle plus. On avait vu qu'on voulait capturer certains. Il est où le marsouin? C'est lui. Oh, c'est lui! Ouh. Ok. On va absolument essayer de capturer le marsouin. Je vais être honnête, ça va être chaud, hein, mais faut absolument le capturer. Parce que je veux voir si on peut l'intégrer dans le groupe. Et si on peut intégrer un mec qui tape deux fois, je veux pas dire, mais c'est top. C'est juste abusé, ça serait top. On pourrait faire plein de trucs avec. Genre plein de tests avec certaines armes et tout. Ça, on peut voir, tu touches qui ? On va te mettre là. Ouais. Marcher à l'arrière, les animaux sur le côté. Alors, nous on veut. Toi là. Ménette. Ménette, Johan et Amric. Même Amric est devenu un bon tank en fait. On peut mettre un mec au centre. Qui sont les autres ? Ah, c'est pas mal. Nickel. Ah merde. Putain, il faut que je check ça, moi. Quel con. Vraiment que je prenne l'habitude de checker ça. Bon, qui c'est qui joue? Bon, il y a lui. Lui, il faut faire attention. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour le capturer, mais... On va essayer. Ça va faire méga mal. Oh, vous... T'as un lancé, toi, moussaillon? Intéressant. Bien. On va mettre un ours en plein milieu. On va toucher les archers. Lui, il faut... Putain, je sais pas comment je... Je sais pas avec qui l'attraper, en fait. J'adore ce jeu. Ce qui est marrant, c'est que je pourrais ressauter encore une fois. Genre, ça prendrait leur corde, en fait. C'est intéressant de le voir comme ça aussi. Ça leur piquerait la corde. On va se mettre là. On va envoyer un ours ici. Il faut protéger un peu ce coin là. Immobile.
Très bien, let's go. Là, on va pouvoir faire 2 kills. Alors, défense. J'adore parce que ça devient super dynamique en fait, le gameplay, je trouve. De jouer comme ça en fait. Alors, Ménette, on va envoyer Johan. On va tuer lui, comme ça on gagne 2 points. Presque. Non, pas presque, mais... Aïe, saloperie. Envoyer Ménette. Ménette, il peut contrer. Tiens, il y a aussi cette attaque là. Ce coup d'éclat qui peut être vachement intéressant. Justement titanesque, ça repousse. C'est intéressant de penser à ça aussi. Je crois que lui, on va le laisser jouer pour éviter qu'on contre et qu'on le tue en fait. Par contre, on va envoyer un peu plus de gens parce que là. Vous me faites un peu chier. Fort. Toi, à la limite, tu peux peut-être bloquer notre mec. Le mec qu'on veut, parce que toi, t'as pas de contre. Par contre, je t'en supplie, me le tue pas. Non! Alors, je vais faire un truc que normalement, je fais pas souvent. Pas souvent, c'est-à-dire genre jamais. Mais on va recharger la partie. Ce que fait le jeu, en fait, il sauvegarde pas quand on joue, quand on fait ça, quand le tour se termine pas. Ah putain, c'est relou de les capturer, les gens. Ouais, du coup, on arrive là. Par contre, pensez pas que vous pouvez l'exploiter, hein, ce système. Si jamais vous perdez un mec, c'est sauvegardé. Donc il n'y a pas d'exploitation à faire. Il y a juste ça, si vous voulez le faire à la limite, pour capturer des gens, ça peut être un peu plus flexible, on va dire, de faire comme ça. Donc, ouais. Bon, bah du coup, on le fera après. On va envoyer Mara à la place. Mais avec mon équipe, des fois, vous retrouvez... vous pouvez pas recharger, parce qu'en fait, le mec va taper quelqu'un, et vous allez riposter et le tuer, du coup. Donc c'est mort. Ouais, vous pouvez rien faire du tout, quoi. Mais bon, là, si on pourrait le capturer, je serais très content. Parce que je voudrais faire des tests et après je fais des builds et tout ça. Ouh la vache. Ouais, vous faites un peu chier. Hein. Toi, casse-toi du bateau. Ah, merci. Toi, casse-toi de la planche. On est peut-être allé un peu trop bourrin en fait. On aurait dû attendre qu'il joue un peu plus avant de balancer des gens. Parce que on prend très cher quand même. J'avoue que là on prend super cher. Donc c'est pas très très malin quoi. Et en plus c'est con, il s'engage jamais
Parce que franchement, si c'était engagé, ils seraient genre tous morts. Il y en a trois qui ont tapé, par exemple, notre pugiliste. Ils seraient tous morts. Parce qu'elle contre automatiquement. Donc, ouais, c'est un peu relou, quoi. On va récupérer les deux points, on est en attaque. Et on a eu un point aussi encore. Toi, on peut faire ça, courir. Voilà, deux coups de poing, ça l'a tué, quoi, super. Ah mon dieu, espèce d'enfoiré. Aïe 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 aïe. Ouais, on y allait trop violemment. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, comme ça il jouera pas lui. Parce que je le voyais un peu trop venir en fait. Où il allait jouer, me tuer. Ok, maintenant c'est à toi. Donc ouais, non, lui je le voyais un peu trop mal venir en fait. Est-ce que... Attends, si je me mets là... Bon, maintenant on sait que c'est pas des dieux non plus. Hein. Les... Ok, ça c'est pas mal. On sait que maintenant c'est pas des dieux. Putain, j'ai eu peur. Enfin, on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge. Hein. Sorti de l'auberge. On a encore de la bravoure, donc on peut faire des... Au pire, si on a vraiment plus du tout de bravoure, on pourra se reposer. Ça va gaspiller de la nourriture, mais autant jouer avec de la bravoure. Voilà, très bien. Parce que là, on commence à être dangereusement bas pour... Pour moi, je trouve que ça c'est dangereux là ce qu'on fait. On a encore lui. Lui il est engagé. Non, ces deux-là ils sont pas engagés. Ah ouais. Putain, saloperie. Bon, mal, c'est con. Hein. Tu vas le tuer. Pourquoi tu vas le... Ah, c'est bizarre. Genre tu pouvais faire un critique dessus. Toi tu vas mourir du saignement. Bien.
Parfait. Je sais pas comment on peut le tuer, lui. Ah si, je sais. Hop. Alors... Maintenant, la question, c'est comment on va faire... Lui, il a vulnérabilité, du coup, il va se prendre un critique automatiquement, c'est top. Ok, très bien. Je sais pas trop comment me débrouiller avec lui. On va faire taper le dragon au prochain tour. Bon, ça va. Très bien. Ouais, parce que elle va le démonter. J'aurais fait 450 de dégâts. C'est bien parce qu'elle est. C'est une sauvage, du coup elle peut. Elle soigne les animaux qui sont le plus proches. Attends, on va quand même faire venir les gens. Parce qu'il me faudra des gens pour le capturer. Si je balance des bombes, ça va pas détruire son armure. Il faut absolument détruire son armure. Ça, c'est un truc que je trouve un peu bête. Où il faut absolument détruire l'armure pour pouvoir capturer les gens. Même s'ils ont genre 1 HP. Ça, je trouve ça vraiment débile. J'aurais bien voulu que ça soit plus simple. Vous imaginez même pas qu'on... Ah putain, il y a d'autres cordes qui viennent. C'est la première fois qu'on fait un deuxième round en fait. D'accord, c'est super intéressant. Oh putain, comment on fait? Je vais pas pouvoir le capturer. Est-ce que je peux faire un truc qui fait pas beaucoup de dégâts? Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Si ça marche pas, c'est mort, de toute façon. Parce qu'on fera toujours trop de dégâts. Donc, si je fais ça... Oh la vache. C'est bon, on a enlevé le critique. Mais il a trop d'HP encore. Ça part riposte, hein. Là, ce qu'on va faire, c'est que... De toute façon, il est engagé, il peut pas taper deux fois. Je crois que quand ils sont engagés, ils peuvent pas taper deux fois. Faut qu'ils soient désengagés. Ou alors, je dis des conneries. Ouais, non, c'est... Ok. Donc, il va taper une fois. Et ça devrait être bon. Quelle merde, juste pour attraper un mec, quoi. Attends, non, peut-être pas toi. Tu joues quand, gros? Oh, ça y est, il arrive. Il me faut quand même du monde hein, pour pouvoir le capturer. De toute façon, là, il va prendre des dégâts de saignement et je vais pouvoir le capturer. Désolé, j'arrête pas de parler de ça, mais c'est pas facile en fait de capturer les gens. Donc dès que j'ai l'opportunité de le faire, moi je suis en transe quoi. Du
j'aurai que 3 occasions de le faire. Ça va être super. Pas faire d'ovation parce que sinon ça va donner riposte. Combien de fois j'ai tué des gens en donnant ovation par erreur? Ok, faut le reprovoquer. Ça va, c'est pas grave. J'ai personne qui provoque. Non. Attends, il me reste qui? Si, c'est bon. Très bien. Capture-le. Non! Quelle merde. Non mais vous êtes sérieux là? Merci, let's go. Oh la vache. Endurant, une grid, cool. Non, on va peut-être devoir dormir. Bon, on verra ça la prochaine fois. Mais on va peut-être devoir dormir. Donc fais voir, fais-moi rêver. Yes! Il a coup double. Alors il est costaud, ce qui est bien. Stupide, gain d'expérience, on s'en fout parce qu'il est niveau 13. Il pourra pas aller plus haut. A une blessure, ne pas subir de blessure au combat. A une chance de ne pas subir de blessure au combat. Ça, on s'en fout, honnêtement. Donc, au début du round, si cette unité n'est pas engagée, elle gagne coup double. Donc vous pouvez récupérer des gens avec coup double. Donc c'est bien, il peut taper 2 fois. Et après, vous avez, chaque fois que cette unité est engagée par un ennemi, elle lui applique appui fragile. La prochaine fois qu'elle subit une poussée, cette unité perd 10% de la santé. Donc ça, c'est pour lui-même, pas pour nous. Et ça, c'est les dégâts infligés par cette unité avec atterrissage sont augmentés de 100%. Inflige 50% de dégâts aux unités autour de celle-ci et les repousse de 3 mètres. Donc là, ça ferait 100%. Donc ça, c'est le mec parfait, en fait, pour faire des attaques d'atterrissage, là. Là, l'abordage. Nickel. Nickel. Donc on va lui donner ça, timbale. Et on va le faire travailler avec des à la place de... Genre, hop. On va le soigner. Toi, on va te mettre là pour le moment. Parce qu'on peut pas te regarder, j'ai pas envie de changer le camp pour toi. Toi, tu peux pas t'échapper parce que t'es entouré de gens, mais t'es pas entouré d'animaux, parce que s'ils sont entourés d'animaux, ils aiment pas. Et ce qu'on peut faire aussi, alors ça c'est nouveau, je l'ai utilisé qu'une seule fois, c'est ça, la pâte à dents. On peut en faire genre 2. Et genre on le donne à lui, mais je sais pas comment ça marche, c'est là. Patadon. Comment ça marche? Ouais, Ingric. Le chat envahit une grecque, la confiance entre vous grandit. On va le donner le deuxième aussi. Ok, très bien. Bon, normalement, deux fois, allez, 2 nuits, je suis sûr qu'il va nous rejoindre. Honnêtement, moi je l'ai toujours fait comme ça, ça va super vite. Bon, on va s'arrêter là. L'épisode est un peu long, désolé, mais bon, là on a une personne assez intéressante et j'ai de l'équipement pour lui. J'ai potentiellement du bon équipement à lui donner. Donc on verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup, à la prochaine. Je crois qu'on va devoir dormir parce qu'on a que 6 points de bravoure pour commencer. Et nous, on est chassés par... par elle. Maintenant, c'est un rival pour le moment. Mais bon, il va sûrement vouloir nous attaquer à un moment ou à un autre. Donc on va devoir être plein en bravoure.
Chaque fois qu'une attaque de cette unité touche plusieurs ennemis, elle gagne protection pendant un tour. C'est pas mal ça. Allez, à la prochaine, ciao ciao.